Nous, on a une technologie qui permet de faire un vol automatique du drone. C'est-à-dire que le drone a reçu une chorégraphie dans sa mémoire et il lit cette chorégraphie, c'est-à-dire que chaque drone lit sa partition et joue sa partition. C'est-à-dire qu'on lance la chorégraphie. Le pilote, finalement, c'est celui qui va appuyer sur start et c'est lui aussi qui va gérer les drones en l'air. C'est-à-dire qu'il va faire atterrir un drone qui a un comportement un peu bizarre. C'est lui qui va sélectionner, qui va vérifier que tous les paramètres sont bons. Ils sont complètement autonomes. Voilà. Du décollage à l'atterrissage. Ils décollent d'une ce qu'on appelle une star zone, ils font leur chorégraphie et ensuite ils reviennent sur la star zone. Et tout ce vol-là est complètement automatique. La partie lumineuse du drone, ce sont les globes hauts et les globes bas, dans lesquels il y a des LED RGB, donc trois couleurs pour pouvoir faire tout le panel de couleurs possible. Donc ce sont finalement plus des outils que des drones à part entière. Ce sont des outils volants qui permettent de transporter de la lumière et de faire des effets lumineux dans le ciel. Notre dispositif ici est basé sur 80 drones qui vont voler. Là, on va attendre à peu près 3 heures et après, dans la soirée, je pense qu'on fera des premiers vols pour voir justement si la qualité de réception des GPS est bonne. Après, le premier test qu'on fait, c'est qu'on les calibre. Alors, les calibrer, ça veut dire faire tourner les drones sur eux-mêmes sur 3 axes, qu'on appelle le X, le Y et le Z, pour qu'ils se repèrent dans l'espace. Et tant que le drone ne veut pas se calibrer, généralement, c'est qu'il n'est pas encore stable. Donc, c'est lui qui nous donne le signal, qui nous dit « bon, ben voilà, je suis prêt à travailler ». On a des réglages à faire qui sont les réglages de sécurité parce qu'on met des espèces de barrières invisibles qui sont liées aux positions GPS, notamment en privilégiant bien sûr cette zone-là, c'est-à-dire que passé une certaine position, il atterrit directement. Comme ça, il n'y a aucun risque qu'il aille dans les tribunes. Normalement, ils sont censés pouvoir voler maintenant, donc on va les tester en vol. Et pour ça, on a une petite chorégraphie de travail qui est une chorégraphie test, une petite chorégraphie à base de 4 drones, ce qui permet de bien les avoir en main, parce que s'il y en a 10 ou 20, ça devient difficile à contrôler si tout le monde part dans le décor. Là, avec 4, c'est suffisamment facile à contrôler. On va leur donner ce qu'on appelle un point de GPS origine, qui va être leur origine de travail, c'est à partir de ce point-là qu'ils vont se situer. Et ils vont faire un petit travail aérien, c'est-à-dire qu'ils vont former un carré, ils vont tourner sur ce carré à différentes positions. Ça nous permet de contrôler la précision de vol dans un premier temps et s'ils font bien leur lumière aussi, puisqu'il y a une petite chorégraphie de lumière avec une variation de lumière qui est systématiquement la même. Donc là, c'est une petite séance d'entraînement. On trouve le meilleur compromis pour que les drones aient le moins de chances d'aller taper quelque chose au décollage. Parce qu'ils ont vraiment ils ont besoin d'avoir ce qu'on appelle une safety zone qui fait 10 mètres autour de la zone de décollage. Donc on est en train de chercher le meilleur emplacement, les meilleurs compromis pour que ça se passe bien, que ça ne vole pas au-dessus des gens, etc. C'est le temps de mise en place parce que toi, il faut que tu intègres ça effectivement dans tes éléments de chorégraphie, tes successions de tableaux, etc., dans tes timings. Parce que moi, je veux qu'ils s'éclairent, qu'ils décollent au noir et qu'ils s'éclairent une fois qu'ils sont là-haut. Donc forcément, ça ne met pas le même temps de traverser le terrain de nord-sud que de les avoir directement juste au-dessus. Ouais.